Quel sport je pratique en fait? Je te plus que le gilet et c'est bon. Ça y est, c'est fini les vacances. On rentre à la maison. Ça va faire bizarre. Hein. C'est parti pour le départ de la deuxième étape. Je crois qu'on s'en sort pas trop mal. Je suis triste. On est en train de passer la dernière île des Açores. Mais je m'en sors pas trop mal. Je crois que je suis dans le top 10 au scratch là, donc c'est pas mal. Et je navigue avec Thomas sur Bioengineering et Quentin sur Mombana. Donc voilà, je suis en bonne compagnie quoi. C'est plutôt cool. Et avec les dauphins en plus. On est en train de passer le premier pro. Première nuit. Ça tartine encore. Je suis peut-être un petit peu surtoilé, mais apparemment le front il est pas très fort et il va passer assez vite. Putain, ça m'a trop fait flipper. Il y a un éclair qui est tombé, mais genre juste à côté du bateau. Ça de nuit pour le premier soir. C'est pas cool quoi. 25 nœuds sous spi dans les orages là. On est bord à bord avec Lily Whip depuis ce matin. Mais quelle chance que j'ai quoi. On est même devant là. On fait du presque Genac depuis ce matin. Avec pas beaucoup de vent, il y a beaucoup de vagues. C'est pas une grosse secousse quoi. Bon, je vais aller me faire à manger. C'était l'apéro le tas. Un petit poulet curé. La pétole. Elle m'avait pas manqué celle-là. Je suis en train de traverser une dorsale. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un axe de haute pression dans lequel il n'y a pas de temps. Et voilà, bah ça ressemble à ça. Hein. C'est beau hein, ça avance pas du tout. En gros, pendant la première étape, j'avais pété mon stick. Du coup, aux Açores, j'en ai racheté un tout neuf. Et très beau. Du coup, je fais attention. Mais une fois, j'ai oublié et j'ai laissé pendre comme ça sous pilote. Du coup, bam, il est venu se bloquer là. Et le pilote a forcé dessus. Qui a du coup cassé la pièce qui tient le pilote à la barre. Voilà. Encore des belles histoires, quoi. Du coup, là, c'est mon deuxième essai de réparation de fortune. En gros, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait du jeu, du coup le trou s'était complètement élargi
Et du coup, la pièce tombait toute seule et bah, c'était pas fou quoi. Et du coup, j'ai planté ma lame de couteau dans le jeu. J'ai tapé très fort dessus. J'ai cassé la lame comme ça, elle est coincée dedans. J'ai comblé les trous avec des morceaux de bouteilles de cristalline pour bien tout plaquer. Là, ça bouge pas. Et j'ai tout fermé au cica pour qu'il n'y ait rien qui sorte. Et ben, Inch'Allah. Voilà, comme ça, on profite de la pétale pour faire les choses avant que le vent rentre. Et là, on a une petite véranda. Hop là. Et en attendant, le vent a tourné. Il est passé sud là. Ça veut dire que on commence à passer de l'autre côté de la dorsale. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, après, quand est-ce que ça va s'établir, ça, je sais pas. Mais ça avance. Et ben ça fait zizir des collisions comme ça. Enfin du vol quoi. Funny how it seems like yesterday. As I recall, you were looking out of place. And then things had slipped away. No time at all. I followed you into the hall. Et là, on est en train d'envoyer du pâté, du pâté. On a fait une journée, mon pote. On a mangé. On a mangé Thomas ce matin. Julie et Roger au passage. Et là, on est en train de manger du kokomo. Et qu'est-ce que c'est bon! Et c'est parti pour la nuit, je vais me préparer. Je commence à rentrer dans une petite routine. Hein. 21h, je me change, je mange, on met la frontale et on attaque la nuit quoi. Et là il y a du vent et des vagues. Oh le surf. On navigue à 13 nœuds sous pilote, temps noir, wambamba, ça fait flipper. Mais qu'est-ce que c'est bien. C'est facile d'aller dormir. C'est impressionnant. On prend le surf à 14 nœuds sous pilote. Et il gère. Alors aujourd'hui c'est l'heure de la météo. Alors c'est pas facile de se concentrer parce que je sais pas pourquoi, mais en même temps que la météo, il y a quelqu'un qui aimait les musiques Disney en anglais. Donc voilà, la voix d'Annabelle sur du Disney. Pas facile de comprendre grand chose.
Voilà, après faut se démerder avec ça pour savoir où tu vas quoi. En vrai je suis un peu content parce que c'est la première fois depuis Horta que j'arrive à capter quelque chose déjà. Ah. Bon voilà, maintenant faut savoir où on va. Allez, c'est parti. On va faire des dessins sur la carte. Bon bah ça fait trop chier, c'est encore fini la course là. En gros bah j'ai le palier de qui derrière là qui c'est bon, il a lâché pour de vrai là cette fois. J'avais vu qu'il devenait bancal hier, du coup j'avais sécurisé tout avec des lashings et des sangles là. Et là bah là il y a carrément l'axe qui est passé sous le niveau de la coque là, donc là ça devient vraiment chaud. Il reste 500 000, c'est énorme. Je sais pas quoi faire. Surtout qu'ils annoncent 30 nœuds au pré en arrivant dans le golfe de Gascogne. Enfin, franchement avec ça je le sens genre tellement pas quoi. Là à tout moment mon lashing il lâche parce que c'est sur un truc un peu qui rague et fini quoi. Chier! Putain! Là même pour la sécu du bateau c'est genre ultra chaud quoi. 560 000 avec j'ai 4 brins de dinéma de 4 là qui tiennent la quille quoi. Hardcore. Hier j'arrivais encore à passer des choses par dessous pour essayer de la retenir. Et là elle est vraiment descendue et elle est plaquée, elle est passée dessous et j'arrive pas. Je peux rien passer dessous pour essayer de la remonter là. Ça fait bien chier quoi. Chier, je sais pas quoi faire. Oh les conditions du turfu là. Manon qui remonte le moral, elle est très forte. Mais juste entendre du monde. J'ai vraiment compris ce que t'as dit. Je me fais mon melon. Je me balade ça depuis les Açores. Et là c'est la pétole du coup, bah ouais, faut y aller hein. Allez, c'est bon le cul. Ah ça va régaler ça. Attends, faut que j'aille foutre ça les pépins dans l'eau là. Bon, du coup pour la quille, ce qu'on va faire de toute façon, c'est que pour l'instant, tant que ça tient, c'est que on va continuer tout droit vers les sables, voilà, j'ai choisi. Ouais, il reste 400 000, c'est un peu énorme. Faire ça avec ce genre de réparation. Mais de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Enfin, il n'y a pas grand chose d'autre à faire que d'avancer là, de toute façon, là où on est. Donc,
croiser les doigts et voilà. Et 21h, ça va être l'heure de se changer et de se préparer pour la nuit. Je vais mettre ma salopette. Putain, vous allez vous dire trop stylé, lever de soleil, bam, il fait trop beau et tout. Mais pas du tout, c'est pas du tout trop stylé. On est au près. Au près, à un proto, sans qui, dans l'axe, c'est horrible. Il y a 15 nœuds, j'ai déjà un riz, sinon le truc il est intenable. J'avance à 4 nœuds, ça tape, il y a tout qui craque. Franchement, ça fait vraiment chier quoi. Le vent revient après une journée de pétole. J'ai dû faire 1 mille depuis ce matin. 1 mille! Quand tu te dis que le vent il est revenu depuis une heure et que j'ai fait 10 000 presque, franchement, c'est pas rentable. Quoi. Et moi je viens de passer la journée à chialer. J'étais au bout quoi. Et là le vent revient, la météo, ils ont dit qu'il y avait peut-être un peu de vent pour les prochains jours. Mission de faire plus de 1000 tant qu'il y a du vent quoi. J'ai tellement hâte d'arriver là. Tellement hâte. Ah j'ai le dos qui... Oh le dos putain. Ah putain. Ça, ça va faire du bien là. Un vrai lit. Oh bordel. Ouais non, sinon je voulais dire, les bonbons de chez Continent Aorta, vraiment dégueulasse. Moi je les avais pris pour me remonter le moral dans les coups durs, bah franchement, ils m'ont pas aidé. Ils sont vraiment pas ouf. Bon bref. Allez on avance. Ce soir c'est petit chili con carne. En vrai, c'est super bon. Petit chili con carne de chez Liz. Un des meilleurs que j'ai goûté. Bon, cette nuit, on bouffe du mille. On bouffe du mille cette nuit. 12 nœuds de vent là. Allez, on bouffe du mille. Et même que on a passé les en dessous des 10 degrés ouest. Voilà, c'était ma petite victoire de la soirée pour me remonter le moral un petit peu. Donc voilà. Maintenant, road tous les 9 degrés ouest. Allez, go, un par un, on les fait. Allez, bonne nuit. Rectification, c'est pas un chili con carne, c'est un chili con poulet pork. Voilà, je me suis trompé. Je viens de voir sur le paquet en fait. Bon, allez, bonne nuit. Oh, baby, baby, it's the wide world. On est en train de passer l'axe entre le DST de Ouessant et le DST du Cap Finistère. Et il y a du monde. On dirait la Manche. Tout ça c'est des cargos, pétrole, fringues, bouffe. Il va falloir qu'on traverse tout ça, donc je vais peut-être pas aller dormir tout de suite. Encore une journée à pas avancer. Il est 20h et depuis ce matin à 10h on a fait 5000. Waouh. On a fait au moins 4 jours comme ça depuis Horta. Vous imaginez s'il n'y avait pas eu ces jours là, comment ça arrivait tellement vite. C'est vraiment n'importe quoi. Puis là la météo ils disent un anticyclone H1 s'installe sur le golfe de Gascogne. Super, super quoi. Bonne nouvelle! Oh là là! Allez, on avance.
70 000 de l'arrivée. Ouh. Et la brigade du style n'a qu'à bien se tenir. Croque chaussettes, collant. Moi je fais n'importe quoi là. Hop là. Croque chaussettes. Tranquille. Et on bouffe du mille tant qu'il y a du vent. On bouffe du mille. Je répète, on bouffe du mille. On sait pas combien de temps ça va durer ce vent. Et j'espère le plus longtemps possible. On est à 25 000 de l'arrivée, 25 000. C'est un dernier coucher de soleil. Enfin, j'espère, parce que j'espère être arrivé demain soir quand même. Je me fais à manger. Peut-être le dernier manger aussi, parce que j'espère être arrivé demain midi. Et ça va être une sacrée nuit parce que y a un groupe de 6 bateaux qui arrivent par là-bas avec du vent. Breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Du coup, on arrive tous en même temps, mais genre, on arrive tous en même temps, quoi. Là, on va être à... dans un espace de quoi, 5 minutes, on va être 20 sur la ligne, quoi. C'est un truc de malade. Du coup, c'est super marrant parce qu'on est tous en train de se virer sur la gueule. Voilà. C'est très drôle. J'ai Juliette qui est à 0,3 000 derrière moi. Augustin à 1 000 derrière moi. Et voilà. C'est rigolo. Et on est à 3 000 de la ligne d'arrivée. Quelle arrivée incroyable. Bon, allez, on avance. Allez, pour l'arrivée de Ike. Top. Allez, champion Éloi de Montgrand, bravo chef. Il n'y avait pas beaucoup de vent, mais on arrive à 100 mètres les uns des autres. On est 10 bateaux là arrivés. On a eu des grosses glissades. J'avais pas de pilote sur la première étape, donc là j'ai pu essayer de voir ce que ça faisait d'avoir un pilote. Et je fais des nuits à 14 nœuds, 15 nœuds sous pilote. Je ne pensais pas que ça marche comme ça. Oh baby, baby, it's a wild world. And it's hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wild world. On est à 50 000 de la ligne d'arrivée. Alors 50 000 c'est peut-être un petit peu tôt pour faire cette vidéo, mais je voulais faire ça avant qu'il y ait les nuages qui arrivent là-bas. Et je voulais faire cette vidéo pour remercier tout le monde de déjà avoir pu être sur cette course dès la première année. Donc bah merci aux partenaires, merci Arnaud, merci Geoffroy, François. Merci à tous ceux qui ont participé à la campagne de crowdfunding. Ils sont beaucoup et ça a beaucoup joué. Merci au coach, merci à Erwan, merci à Daniel, merci à Vincent, merci à Antoine.
Et puis merci à mon papa, ma maman qui m'ont beaucoup aidé dans la préparation, tout ça. Et merci à la famille, à mes grands-parents qui sont beaucoup là. Et à mes amis aussi, forcément. Merci à l'organisation de course pour cette superbe régate qui était, ma foi, très sympathique. Et merci à tous les ministres pour cette super ambiance. Et là, si les conditions restent comme ça jusqu'à l'arrivée, et bah là, je profite. Stopped you.